Allez, yo le live, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, on se retrouve sur TCG Card Shop. Alors, qu'est-ce que c'est? Salut Vent, ça va? Salut Pumpkin. Donc en fait, tout simplement, on va incarner quelqu'un qui dirige une boutique de cartes, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, on va avoir plusieurs packs, plusieurs trucs du genre à vendre et tout ça. Donc, on va voir tout ça en détail. Et donc là, ouf, putain, déjà, le jeu est fort, déjà, déjà, on va mettre de moitié, hop. Affichage, on va voir. Ouais, c'est bon, on est bon. Ok. Bon, on est bon au niveau des paramètres. C'est la première fois que je le lance, donc on va voir un petit peu ce que ça va être. Donc on commence par ça, et puis après on embraye sur du Frostpunk à peu près vers 19h. Frostpunk 2 qui vient juste de sortir. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, nouveau jeu, tac. On est parti les amis. La musique. Alors, j'ai quitté mon travail quotidien pour ouvrir mon propre magasin de jeux de cartes. Spoiler alert, ne faites pas ça. Ça y est, il est temps de passer aux choses sérieuses. Très bien. Il est vraiment bien ce petit jeu. D'accord, ok. Alors. Raptors. Attends, je suis en QWERTY. Raptors. Garde. Allumez le téléphone et faites-le plein de paquets. Tu t'en vas, il n'y a pas de carte. Téléphone, téléphone, téléphone. Ah. Allumez le téléphone et faites-le plein de paquets de cartes. Alors, stock, peut-être ça. Alors, on va acheter 3 paquets. On peut avoir des accessoires, des figurines et tout ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de truc Warhammer, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Récupérer les colis. Les colis arrivés. Ah, c'est là. Ouvrez la boîte et placez les articles directement sur l'établi. Comment on ouvre la boîte? R, c'est des cartes Pokémon. Vous avez pas vu, mais je pense qu'ils avaient pas le droit de mettre Pokémon dessus. Je pense que au niveau des droits, ça passe pas. Voilà. Alors, voyons les plis. En fait, c'est les mêmes concepteurs que Supermarket Simulator ou quoi? Parce que c'est vraiment le plus que ça ressemble. Alors, le prix du marché est à 3,31. On va le mettre à 3,51. Voilà. Votre magasin est ouvert. Laissez les clients open. Voilà. Manipulez la caisse en vous tenant derrière le comptoir. Très bien, très bien. Venez acheter les cartes Pokémon authentiques, pas cher. On va attendre que les clients arrivent en masse. Ah ouais, tu peux. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, pour l'instant, je suis le tuto, tu sais. Bonjour, monsieur. Alors, combien vous mettez 35 euros dans les packs? Oh, soit. Merci, monsieur. Alors. Total reçu, il faut redonner 5 euros, mais c'est trop compliqué. Eh bah, dis donc. Au lieu de faire des cartes Pokémon, voilà la salle de sport. Hein. Alors ici, à mon avis, ce sera la réserve. On dirait vraiment Supermarket Simulator. En vrai, vraiment. Voilà, bon, les visages sont peut-être un petit peu plus jolis. Tout doucement. Bonjour monsieur.
Alors, cette... Merci, monsieur. Bon prix, ok, donc il est d'accord avec le prix. Bonjour monsieur. Oui, alors 24,57. Allez, au suivant, suivant, dépêchez-vous. Putain, il m'a liquidé le rayon celui-là. Et on prend l'étagère avec, hein, si tu veux. 33 centimes. Prenez le paquet de cartes sur l'étagère, ouvrez-les pour obtenir de nouvelles cartes. Ah ouais? On peut? D'accord. On va voir tout ça. Bon vent, on ouvre notre boutique de cartes Pokémon ou pas? Mais comment je fais pour la prendre? Comment je fais pour la prendre? Prendre objet. Hold. Wow! Trop bien! Trop bien! Je sais pas ce que c'est. Oh, trop bien! Je sais pas du tout ce que Bon, alors en réalité, c'est pas t'achètes un pack et t'as des valeurs de 15 dollars d'or. Hein. Enfin, je crois pas. Faut qu'il y a peut-être des. Merde, faut que je fasse comme ça, putain. Alors, je devrais recommander des cartes. On va recommander, ouais. 61 dollars. D'accord, faut acheter la licence. On a combien? Ouais, bon, vas-y, on achète la licence. Il faudrait une autre étagère. Attendez, attendez, madame. F, lancez, attendez, tac. Attendez, attendez, je réapprovisionne les rayons et je vous sers. Mais c'est toutes les mêmes en fait. Ok. Bien, bonjour. $8, tac. Tac, tac, tac. Ça fait pas plusieurs fois qu'il vient, lui? Ça revient au même en fait. Pack de 64. Ouais, c'est parce que c'est des packs de 32 et celui-là de 64. Ok, d'accord. Putain, ça va vraiment. Ok. En fait, là c'est 64, là 32. Ok. Oh, bah en fait, ouais, mais c'est les mêmes. Oh là là, je comprends rien.
que j'ouvre trois paquets aussi dans les objectifs, ils me disent. Ok. Ah merde, putain, c'est, je peux pas faire comme ça. Alors, tac, partir du comptoir, on va prendre des packs. Alors. Ok, j'en ai pris 3. Achetez une table de jeu et mettez-la dans la boutique. Très bien. Yes. Eh ben, on a du monde pour une première. Si tu veux, tu peux mettre le jeu en euros. Oh, ça me dérange pas vraiment. C'est vraiment ça me dérange pas. Alors, on va acheter une table. Table de jeu. Tac. Franchement, ça me dérange pas. Sur Supermarket, c'était tout en anglais. C'est pas un problème. Enfin, de là. Voilà, vous pouvez jouer mesdames et messieurs. Parce que je trouve que les paquets de cartes sont pas super chers, il me semble qu'en réalité quand même c'est un peu plus cher quand même. 56$, mais après t'as vu tout ce qu'il a pris. Ah, 56$, 16. Ah non, rendre la monnaie, mais non, j'ai pas à rendre la monnaie, je suis bête. Ouh, ça va plus. Attends, on revient à l'autre. Je suis bête. C'était le prix. Bonjour monsieur. 10,53. Attends, je vais me mettre en position. Tac. Je vais me mettre debout. Oula, la caméra elle est un peu trop en congé. Tac. C'est bon la caméra, on est bon là comme ça. Ok. Alors. Et c'est 10 clients jouer à un jeu de mini-cartes. On est fermé. Y a pas de lumière dans ce bordel. Ah non, bah on n'est pas fermé apparemment. Tant pour moi. On va peut-être acheter une lumière. Bien. Putain, on peut avoir un climatiseur. Ah non, parfum automatique. Ouais, c'est un climatiseur ça. C'est parce que les geeks ils se lavent pas beaucoup, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut les mettre. Parce que... Tac. Non, sérieusement, on peut pas avoir de lumière. Attends, il y a de la lumière là. Attends, il faut trouver l'interrupteur. Attendez, monsieur. Ah. Eureka. Bonjour, monsieur. .45.
En vrai, travailler dans un magasin comme ça, mais pas un magasin de cartes, mais moi ce que j'aimerais, c'est un magasin Warhammer. Un magasin Warhammer, ça me dérangerait vraiment pas du tout. Ouais. Parce que tu sais, on en a une boutique Warhammer nous, chez nous. Ouais, je vous montre un jour, je vous fasse un petit vlog vite fait. On y aille. De toute façon, comme je disais, faire des live peintures, ce sera au programme aussi par la même occasion. Je sais que cette semaine-là, j'étais un petit peu débordé. Donc bon, c'est pas toujours évident. Alors, voyons voir. Bonjour monsieur. 3,54. 16$. Bah dis donc. Faire la monnaie, monsieur. Alors, bon, tu veux qu'on ouvre notre magasin de cartes ou pas? Bonjour, monsieur. Faire un stage dans une boutique de jeux vidéo. Il y avait une étagère Warhammer, je connaissais pas à l'époque. Ouais, bah ouais. Mais nous, on a carrément une boutique, mais comme tu sais, où je vous y emmène? 35, 35-10, pardon. Faut que je vous y emmène. Faut que je vous y emmène en vrai pour voir un petit peu comment c'est. Vous allez voir. Ça donne énormément envie d'acheter, tu vois. Mais j'adore les magasins comme ça qui sont vraiment spécialisés dans un domaine, tu vois. Dans un seul domaine, tu sais. Alors, dis donc. C'est l'heure là. Faut se casser. Ouais, on veut voir ça. Ouais, je te montre quand même, ouais. Je te montrerai vite fait. Alors, laissez des clients jouer à n'importe quel jeu de cartes, ok. Alors, voyons voir. Là, c'est les boosters. Mais après, de toute façon, c'est des trucs 64. De toute façon, c'est les mêmes paquets pour tous. Donc, est-ce qu'on peut pas vendre directement les loups? On va racheter un petit peu de. On va en racheter un petit peu. Ah, là, attendez. Ah, voilà, c'est ça que je veux. Ok, super. Super, super. Hop, tac. Acheter comme ça. Accessoires, figurines, etc. On n'a pas encore, mais pour l'instant, ça viendra. Hop. Mobilier. On va prendre une étagère supplémentaire. Attendez, monsieur, j'arrive. Vous allez être content, nous allons avoir des nouveaux packs. Ok. Alors, bonjour. Tac, bien évidemment. Qui c'est qui aime bien les cartes Pokémon ici? Moi je m'y connais vraiment pas du tout, hein, vraiment. Là-dessus, de ce côté-là. Au niveau des cartes Pokémon. Pas un centime de plus. J'en avais plein MDR. Ah, moi j'en avais. Alors j'en avais quand j'étais petit. Mais alors. Putain, depuis j'ai. Ouais, je sais même pas ce que c'est que les Pokémon. On continue le jeu de taverne aussi. Ouais, cartouche Guillot aussi, bah oui. Bah, c'est plus à la mode, monsieur Guillot, maintenant. Bonjour, madame. Bah, tiens, c'est la première dame qu'on voit. Hein. Qu'elle est là-dedans, la madame? Ah ouais, à côté de lui, en disant, tu sais, elle se tient comme ça, je lui dis... Tu te casses, hein? J'ai envie de jouer, moi. Que j'étais choqué de la vidéo ce matin. J'étais vraiment, vraiment choqué. Je dis, putain, what the fuck?
Ah, parce que tu sais, je me connais tranquillement, puis je vois qu'il y a plein de commentaires, plein de trucs comme ça, je dis, ah ouais, d'accord, ok. Bah, c'est un format, donc du coup, qui doit plaire aux gens. Moi, je vais ajouter une autre table, hein. Alors, je pense que je vais ajouter une autre table, en vrai. On ajoute une autre table, les gars? Quelle vidéo? J'ai fait une vidéo sur le prochain Assassin's Creed qui va sortir. Et en fait, ils se sont pris une vague de pouces rouges, etc. Et puis, je donnais les raisons du pourquoi, du comment, je pensais qu'il y avait ces pouces rouges. Et en fait, la vidéo au début, bah, c'était, comment dire, bah, plat. Il n'y avait pas tant de trucs comme ça. Et puis là, cette nuit, là, c'est. Là, tout d'un coup, pam, pam, pam. Tic, 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 tic. On va acheter une autre table. Mais un jeu que j'aimerais bien essayer un jour, c'est Donjons et Dragons aussi, tu sais. Donjons et Dragons et. Salut André, ça va? Mais ouais, non, j'étais étonné. J'étais étonné que ça marche, qu'elle marche quand même. Bon, après, moi, ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, en fait, sur ce genre de truc, en fait, c'est les vagues de haine que tu peux te prendre à des moments. Tu vois, donc voilà, c'est vraiment ça qui fait peur. Mais après, bon, si j'ai des modos, si j'ai tout ce qu'il faut, pas les couilles, quoi. Oui madame, j'arrive. Oui ça va, je sors de la sieste. Mais dieu. Moi si je fais une sieste l'après-midi, je dors plus, hein. Je dors plus après. Je dors plus si je fais une sieste l'après-midi. Ouais, ça va, André, tranquille. Tranquillou, tranquille. Elle a acheté pour combien, elle, pour? A reçu 102... 82, bah dis donc. Dis donc. Hop là, on est bon. Ouais, ça va, tranquille, André. Ça va, tranquille. Je me mets dans la création de contenu vidéo. On galère un petit peu au niveau des montages, etc. en ce moment. C'est pour ça que je suis pas très actif au niveau des lives. J'essaye et tout ça, mais c'est que. Être partout sur tous les terrains, c'est compliqué, surtout qu'on arrive bientôt aux 1000 sur la chaîne YouTube. Donc voilà quoi. Ah bon, pour un centime, on va pas se faire chier.
Cathy, on te soutient à fond. Ouais, c'est gentil, les gars. On va voir si j'arrive à... Si j'arrive à faire quelque chose de productif. On verra. Peut-être que je suis pas fait pour ça. Hein. Ça... Ouais, c'est ça, c'est comme supermarket, mais version, version carte. Un magasin vraiment spécialisé. On va allumer la lumière. Ça va, ça joue bien, hein? Oh ben, on reste pas jusqu'à minuit, hein? Et monsieur, vous passez derrière la caisse, là. Ouais, bah, je peux pas avoir. Alors, on va regarder un petit peu. Reno Grand extension. Ok, on peut acheter une extension si on veut, des trucs du genre. Ok, ça c'est ok. Go Recruiter. Par exemple, là, je peux l'embaucher, mais il faut que je sois au magasin level 10. Ah, ok, elles ont augmenté. Attends, elles ont augmenté. Attends, je vais regarder les prix, on sait jamais. Ok, c'est bon, on est bon. On dirait qu'il n'y a plus grand monde. Les mecs, ils attendent tous pour jouer. On va peut-être acheter des cartes normales. Des boosters. Enfin, des... Ouais, des boosters, c'est ça qu'on dit. Attendez, j'arrive. Bonjour. Merci. Tac. Tac. Achetez une table, table à cartes et mettez-la dans la boutique. Alors, une table, une table, une table, une table. Table à cartes, il m'a dit. Attends. Attends, il m'a dit quoi? Achetez une table à cartes et mettez-la dans la boutique. Ok. Table de jeu. Ah, table à cartes, voilà, c'est ça. Ah, pas assez d'argent. Vends, j'ai besoin d'argent. Salut Max. Ça fait un bail, Max. Ça va et toi? Monsieur, tu vois, là, c'est sans amis, là, tu vois, les... Pas d'amis. Bien sûr. Bah, tant mieux si ça va. Tant mieux, tant mieux. On va attendre que les 4 dollars. Bon, cela c'est juste. Ouais, franchement, les prix, on n'a pas été, on n'a pas été bâtard. On n'a pas été bâtard. Bonjour, monsieur. Alors.
Bon, allez, hein. On a eu 4 mecs mécontents? C'est peut-être parce qu'ils ont pas pu jouer. C'est peut-être parce qu'ils ont pas pu jouer aussi. Mais bon, on peut pas tout le temps être tout le temps content. Faut accepter la frustration. Acheter une table à cartes, ouais, bon ça va, on l'a déjà fait. Ok. Au moins, ce qui est bien, c'est que les cartes, il n'y a pas de date de péremption dessus. Ouais, ça c'est bien. Oh, sur Train Simulator, avant, je conduis un train de ton époque. Ça, bah, ça allait vite, hein, par contre, mais. C'était chiant. C'était chiant, bon, c'était chiant, vraiment. Bonjour, monsieur. Alors, 35. Au suivant. Oh là là, le monsieur, il a acheté que des. Bah, dis donc. Il a de la thune, ce monsieur. Allez, barrez-vous. Alors, je peux acheter la table. Je peux acheter la table. Par contre, j'ai plus de booster. Pas de gros booster là, je sais pas comment on appelle ça, mais. Ah, tu peux entreposer tes belles cartes. Ouais, je vais entreposer celle-là. Celle-là, elle est à 10-26, je vais la mettre à 15. Eh ouais, les gars. Eh ouais, les gars. Comme ça. Bonjour, monsieur. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on peut voir 0,14, 0,14, bon, ça vaut rien du tout, ces cartes-là. Ah, 3,77, allez, 3,77, celle-là, je la mets. Et je la mets à 5. Voilà, tac. Bonjour, monsieur. Mettez 10 cartes sur l'étagère, carte fixe, et fixez le prix de vente. Ok, bah attends, on va ouvrir. Du coup, on va ouvrir des. On va ouvrir quelques paquets. On va ouvrir quelques paquets, voir si on a des choses intéressantes dedans. Ah, c'était vraiment nul. On n'a pas eu de chance là. Attendez, j'arrive. J'ouvre mes paquets.
Là, on a quelques cartes qui sont sympas. On a quelques cartes qui sont sympas, là. Ok, on va faire la caisse quand même, parce que... Mec, ils vont se dire, il est plus là pour ouvrir les cartes que pour les vendre. Il y aurait vraiment le même concepteur que Supermarket, mais après peut-être qu'il a vendu des droits aussi. Alors ici, qu'est-ce que je mets? Alors deux. Bien, celle-là je la mets. Hop, celle-là je vais la mettre. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Je regarde un petit peu, mais elles valent pas très cher. Quatre, 4,5, 4,14, on va mettre à 4,20. Ah ouais, parce qu'il y a les deux côtés, bah oui, c'est pour ça que je pourrais pas le mettre contre le. Ah, pardon. Bonjour monsieur. Par contre, ouais, ça doit être long à chaque fois de faire ça. Hein. Il m'en manque deux. Je vais prendre deux packs supplémentaires. Donc là. Attendez, hop, je les ouvre. Ah, de la merde. Là, de la merde totale. Ah merde, vraiment on a un pourri! Nul! Enfin, il y en avait quelques-unes, mais. Oh, ça affole! Ça affole! Allez, hop. Bonjour monsieur, excusez-moi. Alors, on va récupérer des cartes. Et hop, on va les ouvrir. Oh, elle était pas mal celle-là. Ouais, enfin, elle valait qu'un seul, mais elle était jolie, ce que je veux dire. Ouais, elle valait que 1,64, mais bon. C'est toujours mieux que les autres, quoi. Voilà, par contre, que de la merde. Hein. Là, vraiment que de la merde. Alors, voyons voir. Ok. On va fixer les prix. 2,50, c'est bon. Ouais, il pue, lui. Oh! Mais c'est normal, ça? Comment ça se fait qui schmoute? Oh! Putain, c'est vraiment un archétype sur les consommateurs de cartes. Que vraiment les mecs ils se touchent pas.
ou quoi que ce soit, quoi. On peut pas le virer? Non? On va racheter des, on va racheter des gros boosters. Des gros boosters. Oh, attends, c'est pas loin. Hop. On va racheter des. Ouais, on en rachète 4. Hop là, tech. Ah, parce qu'il faut jouer la boîte en fait. Ça s'ouvre pas automatiquement. Semaine prochaine, les amis, vendredi. Je pense vendredi, on part en marathon. S'il y en a qui va l'accompagner, voilà, on part en marathon vendredi prochain. Je vous le dis en avant-première ici. Il faudra sûrement du 7D to die. 7D to die, et puis on va voir quoi. 7D to die, puis on verra d'autres trucs. Et je vous laisserai, pour ceux qui participent au marathon, etc., je vous laisserai choisir des jeux et tout ça. Sachant qu'on a une large panoplie de jeux. Enfin, au niveau de ça, on est capable de couvrir beaucoup d'aspects. Pourquoi tu fais des marathons quand je bosse le dimanche? Ah, ça, je le décide pas, c'est. Faut voir ça avec la production. On m'a dit c'est la fin du mois, faut. M'a dit fais-en un. Sachant qu'en plus, tous ces trucs-là, tous les trucs marathon, etc., qu'on fait, en fait, c'est derrière, c'est une façon de s'autofinancer, en fait, tout simplement. Donc en fait, tout simplement, avec l'argent qu'on récolte, bah, derrière, on va mettre en place des live cuisine, des trucs comme ça. Par exemple, je sais pas si je l'ai pas dans le coin, mais pour les live cuisine, là, pour la live cuisine, j'ai acheté deux perches. J'ai acheté deux perches de. Je sais plus combien elles coûtaient. Enfin, j'ai pris. J'ai me plaindre à la production. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, mais c'est vrai que ça, voilà quoi. Hein. Ils seront un peu sourds. Hein. Mais je disais, j'ai acheté deux perches. J'ai acheté deux perches pour que derrière, on ait vraiment des bons angles, etc. Que je puisse vraiment filmer correctement, tu vois. Donc voilà quoi. Ça sera mieux comme ça. Normalement, il en aura peut-être un ce week-end. Ce week-end, donc. Bon, on passe au lendemain. C'est juste qu'elle veut faire un filet mignon, et le filet mignon, bah, un porc au caramel, pardon. Elle veut faire un porc au caramel. Moi, je vous donne en avance un. Si, dites pas que c'est moi qui vous ai donné le truc, d'accord, c'est au cas où elle ne voulait pas. Elle veut faire un porc au caramel. Donc, s'il y en a qui savent pas ce que c'est, bah, ce sera l'occasion de le découvrir. Et le truc, c'est que le filet mignon, les gars, bah, c'est pas donné, hein. C'est putain que c'est. Mesdames et messieurs, le Raptor Card Shop est ouvert. Venez acheter vos trucs. On dira rien. Ouais. Du coup. J'adore ça. Filet mignon, j'aime beaucoup aussi. Pas filet mignon, mais un porc au caramel. J'aime beaucoup aussi. Vraiment, c'est pas vrai. Et donc, ouais, je disais, et on a pris deux perches pour pouvoir cadrer les téléphones et tout ça. Que derrière, bah, que vous ayez une bonne vue et tout ça. Parce que c'était un petit peu compliqué la dernière fois. On va pas se mentir. Bonjour monsieur! Là, je vous vois tous les jours. Sauf
Ce live est sponsor par vent par la même occasion. Qu'est-ce que si je ne l'avais pas dit? Parce que vent en fait, il aime bien nous voir jouer à ces jeux-là, donc du coup il nous les donne. Il nous les donne le vent. Hop, c'est dommage qu'il n'y a pas d'interaction. Ouais non, oui, vraiment, vraiment. C'est vraiment ce matin. Un matin, je me réveille, les gars, je me réveille, tranquille et tout ça. Bon, je vois, j'ai des messages, je dis, bon, ouais, qu'est-ce qui se passe encore? Et là, bon, il me dit, oh, je t'ai fait un cadeau sur Steam, machin, etc. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il m'a donné, t'sais? Et en fait, bah, du coup, c'était ce jeu-là, là. Du coup, voilà. Donc, on remercie tout ce vent qui nous offre ce live aujourd'hui. Bonjour, madame, excusez-moi. J'étais dans mes pensées, vous savez. Ah, il m'a offert ce jeu, ouais. Hop là, donc là on est bon. Vendre 10 cartes aux clients. Bah, je les ai. Il y en a déjà qui sont commencés à être vendus, hein. Tu peux participer, confirmer l'événement, organiser ici, etc. C'est pas mal ça. On fera ça tout en détail. Alors, attends. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? On va refaire le stock. Celui-là, je suis là. Alors, bonjour monsieur, le monsieur il a juste acheté une carte comme ça, merci. 1,60, tac. Mais là, normalement, en haut à gauche, normalement, je suis en train de leur vendre des cartes, mais ça marche pas. Ah, si, 10. Mais pourtant, ils en ont acheté plus que ça. Oh, je me suis fait douiller, les gars, sur le truc là. Alors, on va ouvrir la boîte, on va voir ce que ça contient. Donc, ça contient des. Oh, pas mal ça! Pas mal, pas mal. Là, que de la merde. Oh, 5. Ouais, pas mal. Ah, pas mal. Des cartes qui étaient sympas là. Venez voir nos cartes de collection, mesdames et messieurs. Alors, on règle le prix 4,72, on va mettre à 5. Je vais peut-être la baisser un petit peu celle-là. 10, je vais la mettre à 12. Thank you.
Ok, on est bon. Bonjour monsieur. Alors, 7, 20. En espérant que vous avez apprécié votre article. Alors, une petite carte pour monsieur. Très bien, 12 dollars. Alors, je vais continuer à ouvrir. Je suis devenu accro à ouvrir cette couche. Là, vraiment pourri. Celui-là est pourri. J'achète des boîtes pour un sortant. L'objectif, c'est surtout c'est de vendre des cartes. C'est pas de vendre des paquets là, c'est les cartes qui vendent. Un petit peu mieux celui-là déjà. Ah, pas grand-chose là. Pas grand-chose, pas grand-chose les amis. Bonjour monsieur. Merci mon brave. Allez, on veut une carte à 100 balles. Ah, pour l'instant, il y en a pas. Alors. Attendez, j'arrive monsieur, je vous ai vu, ne vous inquiétez pas. Ah, je pensais que c'était un peu mieux que ça. Bon. Ouais, c'est. En fait, c'est pareil, sauf que ouais, elle est dégueulasse cette étagère, quoi, grosso modo. Bonjour monsieur. Ah, lui, il voulait un seul pack, lui, hein. 1,49. Il y a juste plus d'étagères par contre. Ok, ouais, il y a plus d'étagères par contre. Ah, bah oui, je n'ai pas fait gaffe. Mais... Alors, il nous manque deux cartes à vendre. On va voir si on a des cartes à vendre en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire voir? 5, on va mettre 6. Ok, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. On est niveau combien? On est niveau 6 magasin. Ok. D'ailleurs, j'ai des cartes là. Hop là, tech. Bon, qu'est-ce que vous mangez ce soir, les amis? Qu'est-ce que ça graille? Tu sais pas. Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense que je vais manger un petit poulet.
Les chorizo. Ouais. On va se remanger un petit truc comme ça. Je le sens qu'elle va faire ça, tu vois. On parie? Monsieur là, avancez droit. Hier c'était tacos. Je suis moyen tacos, tu vois. Mon... Pff, moyen. Honnêtement, tacos, c'est pas mon kiff. Boudin blanc et pommes. Ah, boudin blanc. Ah. Pas mon truc non plus, tu vois. Après, les goûts et couleurs, voilà, hein, mais. Moi personnellement, boudin, hein, le boudin, j'aime pas. Moi du chinois. Comment ça, tu vas prendre un chinois, tu vas le manger? Mais tu peux pas? C'est pas droit. Bon. Mais un jour les gars, mais après le truc c'est que bien évidemment je peux pas. Mais un jour juste comme ça, ce que j'ai dit, non, lol, de la nourriture chinoise. Ah ok. Mais un jour juste comme ça, vraiment ce que j'aimerais c'est aller faire un resto, tu sais, gastronomique. C'est-à-dire vraiment le resto, tu vois, bon bah ça va être un petit peu cher au niveau du couvert, hein, ça c'est sûr. Hein, mais vraiment un resto gastronomique, tu vois. Et montrer, vous montrer du coup ce que ça donne. Est-ce que vraiment ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, etc. Tu vois. Juste bah tant pis, je dépense, je crois, 200 balles dans le resto ou un truc du genre, tu vois. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup d'aller manger là-dedans? Je suis jamais allé, hein, vraiment, j'y suis jamais allé. Putain, le mec, tout ce qu'il a acheté, what the fuck? Il a acheté pour 194 balles de cartes. Putain, 184, pardon. Alors. Mais juste, ouais, juste voir est-ce que vraiment ouais, ça vaut le coup, est-ce qu'il faut le faire une fois ou quoi que ce soit. Parce que je sais pas s'il y en a qui ont déjà mangé, tu sais, genre. Comme je disais, un vrai resto gastronomique, genre on te propose une bouteille de vin à 200 balles, quoi, tu vois, un truc du genre, tu sais. Parce que moi, bon, moi j'ai déjà bouffé dans des restos. Bien, mais c'était pas non plus des restos vraiment, vraiment chic chic, quoi. Alors, excusez-moi. Réussir sans paiement. Allez, tout le monde dehors! La boutique est fermée! Eh ben ça va! Eh ben ça va, ça va! Bon, il est sympa le jeu. Il est sympa, il est très sympa en vrai. Réussir sans paiement. Donc là, sans paiement, on va commencer déjà par commander ce qu'il nous faut. Alors voyons voir. Commander quelques boosters. Non, c'est pas là. Hop. Stock. J'achète la licence. Hop. 400 balles. Il y en a des dieux. Non, ça fait trop. Allez, hop. Attendez, monsieur. Ah non, non, tu pars. Hein. Non, non, tu t'es pas lavé aujourd'hui. Hein. C'est bon. Hein. Si tu veux collectionner, vends que les cartes en double. Ouais, si je veux collectionner, ouais, je sais. Pour l'instant, je veux du fric. Je veux de la maille, vent. Ah non, annulé. Je veux de la thune, vent. Je veux de la thune. Bah ouais, de la moulin. Attends, mais il y en a encore. Merde. Attendez, monsieur, on est fermé, nom de Dieu. Mais il se lave pas, les gars. Et à chaque fois, il se lave pas. Pourquoi vous vous lavez pas? Ah non, mais tu parles. Mais c'est quoi ce préjugé sur les mecs qui jouent aux cartes? Genre, ils se lavent, tu sais, les mecs ne se lavent pas. Mais c'est quoi ce préjugé?
Bon, c'est pas parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas pris la douche que voilà, mais quand même. Tiens, je te jure, ça me fume. Ça me fume de rire. Bonjour monsieur, ça va, je ne renifle pas l'odeur de vos aisselles, ça va. Monsieur? Bon appétit André. Je pense que dans l'entonnoir, l'odeur est... Ouais. Non, sérieusement. Non, mais allez, non, mais sérieusement. Moi, j'ai jamais fait des tournois comme ça, mais. C'est vraiment. Bah, après, c'est vrai que. Sur tout truc comme ça, en général, il y a quand même un fond de vérité, tu vois. Je veux dire, bon. Voilà. C'est grave, hein. Pour l'instant, on est bon. Pour l'instant, notre objectif, c'est d'encaisser 100 personnes. Donc, bon. Alors, bonjour, madame. Tac, tac. Merci, madame. 64. Mais tu vois, ces genres de jeux, tu sais. Tu sais, là, ils viennent. Tu sais, c'est comment dire, c'est faire l'amalgame, faire un préjugé, etc. Tu sais. Mais on va pas leur casser les couilles pour ça, tu vois. Parce qu'on s'en fout, on rigole. Mais alors, si tu fais un autre préjugé sur autre chose, mais qu'est-ce qu'on va venir te péter les burnes? Lors de la compétition du Yu-Gi-Oh! Hein, une clause d'hygiène fut instaurée. Non, sans déconner. Les juges pouvaient pénaliser les joueurs avec des vêtements sales ou ayant une trop mauvaise odeur. What the fuck? Le tournoi Super Smash Bros. Commence à appliquer des règles similaires. Non, mais sérieux? Mais genre, tu vas me dire quand. Tu sais, tu vas 3 minutes dans la douche, tu vas me dire t'y arrives pas. Genre, t'es 3 minutes dans la douche, t'y arrives pas. Bonjour monsieur! C'est des ouf! Bah non, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, non mais là c'est. Mais parce que tu sais, après d'un côté, t'as les gens, tu sais, qui sont. D'un côté, tu sais, ils sont, comment dire, super. Super extrémistes de ce côté-là, tu sais, c'est les mecs, c'est une douche par jour, machin, etc., tout ça, gna. Et puis d'un autre côté, t'en as, c'est carrément des gros porcs. Et pourquoi les mecs se lavent jamais, tu vois? Ah, c'est ouf! Sur Pumpkin, ta douche, elle remonte à l'année dernière, toi. C'est obligé. Abuse pas, au moins 5 ans plutôt. Oh, ça doit sentir camembert, Pumpkin. Ça doit sentir camembert, hein, maman. Hein.
Ah, c'est comme les gamers, tu sais, c'est durant la Paris Games Week, il y avait eu un problème. En fait, c'était des activistes écolos qui étaient arrivés, qui étaient rentrés, qui avaient balancé de la peinture sur les écrans. Bon, c'était pas marrant. Et la radio après? La radio, en fait, tu vois, ils avaient comment dire, ils avaient fait une émission là-dessus pour raconter ce qui s'était passé. Et quand je vous dis que les gamers, ils les traitaient de boutonneux, de mecs, de puces, de merde, attends, je peux pas le dire, de personnes qui n'ont jamais fait tchétché, quoi, tu vois, des trucs du genre, quoi. Non, plus sérieusement, une douche matin et soir, pourquoi quand il fait super chaud? Non, t'es dans l'excès. Là, t'es dans l'excès. Total, 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 total. En plus, c'est vraiment pas bon pour ta peau, en plus, faut savoir. Matin et soir, t'es dans l'excès. Le soir, ok. Matin, t'abuses. C'est vraiment pas bon. Non, mais vraiment, les gars, hein, vraiment, hein, renseignez-vous. Renseignez-vous. Le trop, c'est comme le pas assez. J'ai des problèmes de thyroïde, donc j'ai pas le choix. Ah, si c'est. Ouais, bon, si c'est médical, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais sinon, ouais, c'est beaucoup, ouais. Le trop, c'est comme le pas assez. Faut retenir, le trop, c'est comme le pas assez. Comme nous, les hommes, par exemple, on se lave les cheveux tout le temps. Tu vois, par exemple, on se lave les cheveux tout le temps, etc. Faut savoir que les femmes, il y en a beaucoup qui le font pas à chaque douche, hein. Et c'est pas pour rien. Ça, les cheveux. Tu me dis, ça, les cheveux, ça va, j'ai pas trop de soucis, je peux les laver tous les 2-3 jours. Ouais, parce qu'apparemment, selon les demoiselles, ça, je crois que ça les assèche ou un truc du genre. Je crois qu'il faut. C'est pour ça qu'elles le font pas tout le temps. Mets-toi de la bave d'escargot sur la peau, Pumpkin. Tu vas voir, c'est nickel. Ça les fait graisser plus vite et les abîme. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Après, moi, j'en ai presque plus des cheveux, donc bon. Au point où on est foutu, hein, de toute façon. Mais voilà. Et là, ça pue. On peut pas la virer, là. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Non, t'en peux pas. T'es comme ça, t'es. N'hésitez pas de follow, les amis, si vous aimez bien le contenu, bien évidemment. Toujours très important. Par contre, c'est toujours ceux qui puent, faut qu'ils aillent jouer après derrière. Ils peuvent pas laisser mon magasin tranquille, non. Ils schlinguent, ils sont contents. Ils se sont dit, tiens, je vais schmouter, je vais rester encore plus. Faut que j'achète une autre ampoule aussi. J'achète une autre ampoule, parce que celle-là, c'est une lumière jaune en fait. Et il me faut une lumière blanche. Il faut que j'achète une lampe aussi. Je sais pas, dans le décor, les amis, tant qu'on y est, là, parce qu'on a. Oh, pardon, excusez-moi. Parlez avec le live. On va allumer la lumière. Dans le décor, les enfants, je pense mettre une lampe, je sais pas, une lampe rouge ou un truc du genre pour faire un effet d'ambiance et tout ça derrière. Et après, j'ai pas d'idée, vraiment pas d'idée pour le décor. Je sais pas s'il y en a qui ont des idées, mais vraiment, j'en ai pas du tout. Bonjour madame.
des étagères avec des figurines Warhammer? Ah, mais il faut les faire, les figurines. Alors, j'en ai vu des figurines Warhammer. Alors, c'est plus des. Parce que moi, j'aime bien les figurines qui sont articulées, tu sais, là, les... celles-là que j'ai, là. Je sais pas si vous verrez correctement. Celles-là que j'ai, elles sont pas du tout articulées, c'est des trucs que tu peins, etc. Donc, ça, c'est plus un hobby. Alors, ouais, vous voyez pas trop, je sais, mais. Faut qu'on règle les caméras, je sais. Mais, du coup. Bah, tu sais, voilà, ça, il faut les peindre. Mais j'en ai vu d'autres. Mais putain, qu'est-ce qu'elles coûtent cher. J'en ai vu d'autres, mais. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, mais c'est. Oh, les 4 figurines, c'est 100, 100 et quelques balles. Regardez si Frostpunk est bien sorti aussi pour une occasion. On est. Apparemment, je peux jouer. Ouais, Frostpunk est bien sorti, les amis. On termine notre objectif. Tu vois, même lui, là, il est en costard, etc. C'est bien beau de mettre un costard, mais si derrière tu schmoutes, t'as plus. Ça sert à rien. Oh, mais il y en a une autre aussi, mais c'est pas vrai. Enfin, il me faut. Pas possible, pas possible, pas possible, pas possible, pas possible, pas possible. Ah! Je peux pas l'acheter. Merde. Attends, peut-être ça. Voilà, hop, on va acheter ça. C'est bon. Les puants, ça dégage. Je l'allume ou pas? Attends. Attends. Il dit quoi? Recharger la machine avec du nettoyant. Merde. Costard claquette. Ah non! Ah non! Non! Costard claquette! Non! Non, pas possible! Mais tu peux pas faire ça! En fait, c'est un désodorisant, si tu veux. Mais c'est pas possible, costard claquette. Va en tant que patron de chez EDF, tu as jamais fait ça. Toujours en costard bien. Alors, désodorisant? Attends, il faut le recharger. Comment je fais pour le recharger? Je sais plus. Ça les asperge. Mais il faut du. Attends, accessoire? Ah, attends, nettoyant. C'est ça. Putain, 150 le nettoyant. Attends, on va le placer à l'entrée, t'as raison. Attends. Ah merde, attends. J'ai pas reçu mon nettoyant, mais je crois que c'est parce que. C'est parce que derrière, on n'a pas. C'est passé, l'heure est passée en fait. 94, hop. Et mon nettoyant, il est où? Non mais sérieusement, j'ai acheté un nettoyant, je me suis fait niquer. Sérieux? Ah non, je l'ai débloqué la licence, ok. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des packs comme ça. Il nous faudrait des packs comme ça, ok. On va commander quelques packs. Bah un seul du coup, parce que. Après on est pauvre. Thank you.
Normalement, c'est bon, on a tout prévu. On claque phrase et la saleté. C'est bon. Je peux vendre des vélos aussi. Non, je pense pas ça. Moi, au niveau de ça, je peux pas. Prenez pas un truc ménager quand même. Ouais, puis vite. Pour 4 centimes, on va pas se faire chier. Le système anti-crasseux est en place. Je répète, le système anti-crasseux est en place. On va acheter des packs. Les boosters, ils aiment bien en tout cas. Hein. Hop là, on a atteint notre objectif. Super. On va acheter des boosters. Tac. On est bon. Je pense que c'est la dernière journée qu'on fait les gars sur ce jeu et puis après on part sur Frostpunk 2. Alors j'ai jamais joué au premier donc on va voir un petit peu ce que ça va être. Espérons que le jeu soit passionnant. Mon dieu c'est si cher. Oh qu'est-ce que... Bref, allez, on va mettre à 4. Déjà qui a été utilisé ou pas non? Mais il fonctionne là ou il fonctionne pas? D'accord, qui fonctionne là. Thank you.
Bon, c'est 1 h de l'après-midi. Pour l'instant, on a fait des bonnes ventes. Dagonet, tu m'as mis la puce à l'oreille. Est-ce qu'on peut vendre des déos? Mais non, tu peux vendre des déos, c'est pas possible. Sans déconner. Et ça se vend? Mais non. Foutre ma gueule. Foutre ma gueule, gros. Bon, alors voyons les stocks. Les stocks, il va falloir acheter des trucs comme ça. Mais c'est les mêmes, on est d'accord? C'est les mêmes en fait. Je vois un mec qui achète un déo, je te jure, ça me fume. Bonjour monsieur. Alors. Mais dans les gros packs, genre, t'as plus de chances d'avoir des grosses cartes ou pas? Ils sont pas très. Eh ben, y a pas de place, y a pas de place, c'est comme ça. Tu rentres chez toi, tu trouves des amis. Merci. Bonjour madame, y a toujours de la place pour les madame. Casse-toi toi. Une caisse, des accessoires, des produits à vendre. Ça sent 100% achèvement encore cette affaire. Comment ça? Qu'est-ce que t'entends par achèvement? On va allumer la lumière déjà. Clients, sinon à part ça, je vais commencer à ouvrir des packs. Hein. Attends, je vais en choper un. Hop. Je vais ouvrir des packs. Mac niveau 100. Ouais. Ouais. Je l'ai fait une fois sur Supermarket, je suis pas sûr de le refaire tout le temps. Ouais. Si on a 700 viewers comme sur Supermarket, bon, je te dis, bon, ok, on va. Tu sais quoi, on va au niveau 100. Y a pas de souci. On va au niveau 100, y a pas de problème. C'est de la merde.
supermarket, hein, c'était vraiment un boulot qu'on avait, les gars. On se levait le matin à 6h, on terminait à 14h l'après-midi, voire même des fois plus, hein. Ah, ça valait pas mal. Comment tu vois si son doublon vend les cartes? Oh, 17! Oh, pas mal! Ok. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis là. A acheté du Désolé d'Horizon. Tu vas dans un magasin de cartes, tu achètes du Désolé d'Horizon. Mais je comprendrai pas. Bonjour, 2,98, tac. Bon allez, tu pleures parce que t'as perdu tes cartes, machin, etc. C'est bientôt l'heure du magasin. Arrive bientôt, mes amis. Ah, sur Supermarket, on avait tryhard de fou, hein. Tryhard de fou. Après, je vais me lancer dans un autre défi là. Frostpunk 2. Je sais pas ce que ça donne, mais on va voir. Bon, là, je le faisais en position assis, les gars, parce que tout debout, tu tétanises un petit peu. Ok, bon. Hop. Eh ben, on est pas mal. Jour 6. Bien, alors, nous allons sauvegarder le jeu. Hop.